Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à tous ceux qui vont venir se laisser guider dans cette méditation pour guérir votre enfant intérieur. Je vous souhaite une très belle méditation et que vous puissiez après dormir confortablement. Comme à la fin, j'arrêterai dès qu'on aura fini pour ne pas perturber l'état alpha ou θ dans lequel vous serez. Je vais vous faire quelques petites annonces tout de suite d'entrée. Eh bien, aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire en direct, donc j'ai enregistré cette méditation. Nous enregistrons cette méditation. Mais jeudi prochain, j'espère que nous pourrons faire notre live habituel à 19h. Et le thème sera les phrases d'envoi et de demande à distance au Reiki. Donc, si vous avez des petits problèmes avec les envois, les demandes à distance, comment tourner vos phrases, comment faire vos demandes au Reiki, comment faire vos envois, venez jeudi prochain pour ce direct-là. Et en attendant, vous aurez tous les liens vers les sites de Zenki. Le site général où nous parlons des séances du Reiki, nous parlons de tout et où vous avez le calendrier pour les stages en présentiel. Le site Zenki Learning où il y a le blog avec quelques articles que j'écris de temps en temps et puis les trois cours de Reiki Osui, premier, deuxième et troisième degré. Vous avez aussi eh bien, le lien vers la page Facebook et la chaîne YouTube. Et vous avez également le lien vers notre boutique en ligne si vous voulez vous offrir de jolis labradorites, que ce soit en pendentif ou en bracelet. Pour le moment, nous sommes en train d'étayer nos produits et nous mettons à jour tous les jours cette boutique avec nos produits. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et comme ça, nous commençons la méditation tout de suite. Et quand j'aurai fini, eh bien, j'arrête l'enregistrement, je vous dis au revoir et bonne nuit, de façon à ce que l'état dans lequel vous serez, l'état émotionnel et mental, ne soit pas perturbé par d'autres informations et vous pourrez aller vous coucher tranquillement et sereinement en continuant peut-être de rêver à tout ce que je vous aurais dit dans cette méditation. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes qui vous semblent avoir besoin de ce petit coup de pouce supplémentaire pour aller bien. C'est parti. Évidemment que quand je vous guide en méditation, je médite en même temps que vous. Donc je dis à haute voix ma visualisation en fait, hein. Donc voilà. Donc je ferme les yeux et vous fermez les yeux. Je vous invite à fermer les yeux maintenant. Inspirez calmement. Inspirez et expirez tranquillement. Respirez tranquillement. Vous pouvez commencer par prendre une profonde inspiration et laisser le souffle sortir par votre nez tranquillement. Inspirez et expirez par vos narines si vous le pouvez. Votre respiration se calme, devient de plus en plus lente et profonde. Et vous êtes dans l'observation de votre souffle qui entre et qui sort par vos narines. L'air entre par vos narines, fait le trajet qu'il a à faire dans vos poumons et ressort par vos narines. Ne forcez rien, observez simplement. Vous allez partir maintenant en direction de la vallée merveilleuse pour guérir votre enfant intérieur. Vous partez
tel que vous êtes maintenant, sur un chemin dans la nature. Vous avez de belles fleurs, de jolis papillons. Vous entendez le chant des oiseaux. L'air tiède, doux, comme une légère brise, vous caresse le visage. Vous marchez pieds nus pour bien vous connecter à la terre, sur un tapis d'herbe moelleux, doux sous vos pieds. Vous avancez sur ce chemin, tout en respirant calmement. L'air entre par vos narines et sort par vos narines. Vous sentez comme la nature, le monde autour de vous est agréable. Avancez sur ce chemin. Vous arrivez en direction d'une forêt avec des arbres millénaires, grands, qui vous accueillent. Et vous avez devant vous, sur votre chemin, une petite haie qui vous cache la clairière qui est derrière. Vous allez maintenant traverser cette haie. Les feuilles s'écartent pour vous laisser entrer. Et la personne que vous étiez avant devient le petit enfant que vous étiez et qui a souffert. Et c'est ce petit enfant qui entre dans cette clairière. Vous voyez que la clairière est de forme circulaire, entourée d'arbres, de haies, avec énormément d'oiseaux, énormément de papillons, de jolies libellules. Car au milieu de cette clairière, il y a un bassin dans lequel il y a des poissons. Il y a également une petite cascade. Et vous entendez maintenant l'eau qui sort de la cascade en un bruit agréable. L'eau produit un effet agréable en vous, et le petit enfant que vous êtes s'approche de ce bassin et s'assoit au bord. Vous voyez les poissons nager harmonieusement, sereinement, dans leur monde, tout va bien. Et vous, dans votre monde, là où vous êtes maintenant, dans cette clairière merveilleuse, entourée de tous ces oiseaux, entourée de tous ces papillons, entourée de tous ces arbres qui vous protègent, vous êtes également parfaitement bien. Assis au bord de ce bassin, vous inspirez et vous expirez calmement. Et vous sentez l'air qui entre par vos narines et sort par vos narines. Laissez le petit enfant que vous étiez apprécier ce moment de calme et de sérénité. Appréciez ce temps présent éternel où vous êtes bien, vous sentez bien et vous avez le droit de vous sentir bien, en parfaite sécurité, avec un sentiment de bien-être infini. Et puis, comme un cadeau n'arrive jamais seul, vous voyez arriver une sorte de petit cheval
blanc qui scintille. Il s'approche de vous et vous remarquez que c'est une licorne. Dans ce monde merveilleux où vous êtes, les licornes existent. Cette licorne vient vers vous et vous pouvez la caresser. Elle pose sa tête dans votre main et son rayonnement émet chez vous un sentiment de bien-être, un sentiment d'amour. Vous sentez votre cœur qui s'épanouit, qui palpite avec un sentiment d'amour et de bien-être pour cette licorne qui est venue vers vous pour vous dire que là, dans cet espace préservé, cet espace merveilleux, vous êtes aimé. On vous aime. Et on veut prendre soin de vous. Et là, vous voyez arriver quelqu'un d'autre. C'est un être de lumière, très grand, immense, qui rayonne une lumière blanc dorée, légèrement dorée. C'est un rayonnement, vous ne pouvez pas tellement dire quelle est sa couleur. Mais vous sentez que cet être s'approche de vous. Et lorsqu'il s'approche de vous, il émet un sentiment d'amour de plus en plus puissant pour vous. C'est votre ange gardien, celui qui veille sur vous en permanence. Cet ange gardien qui s'approche vers vous, qui est là pour vous faire sentir à quel point il vous aime, vous prend dans ses bras. Laissez-vous aller vers lui, posez votre tête de petit enfant sur sa poitrine puissante. Ses bras vous entourent et il vous donne tout l'amour que vous méritez. Votre ange gardien vous murmure à l'oreille qu'il faut maintenant cesser de souffrir. Confiez-lui vos chagrins. Confiez-lui vos souffrances. Confiez-lui vos douleurs afin qu'il puisse les transmuter. Je vous laisse quelques instants dans les bras de votre ange gardien. À qui vous allez dire tout ce qui vous fait souffrir. Et si vous avez envie de pleurer maintenant, vous pouvez pleurer parce que les larmes sont salutaires. Les larmes nettoient et font sortir à l'extérieur la souffrance que vous avez à l'intérieur. Votre ange gardien, qui vous tient dans ses bras, vous dit à quel point il vous aime et vous dit à quel point il vous comprend. Bien sûr, votre ange gardien ne peut pas rester avec vous dans cet espace pour l'éternité. Et vous non plus, vous ne pouvez pas rester dans cet espace pour l'éternité. Alors il vient vous dire au revoir et vous dit qu'il est à votre disposition chaque fois que vous en aurez besoin. La licorne part également. Et vous allez être obligé de repartir dans votre monde actuel, au moment présent. Mais avant de partir, vous
L'être humain actuel allait prendre dans vos bras le petit enfant que vous étiez. Et vous allez mettre ce petit enfant dans votre cœur. Et vous allez prendre soin de cet enfant. Cet enfant qui est en vous et qui souffre doit cesser de souffrir. Il doit trouver le moyen d'aller bien, d'aller mieux et d'aller de mieux en mieux en route vers le bonheur. Prenez soin de cet enfant qui est en vous, dans votre cœur. Entourez-le d'amour, de bienveillance. Ne soyez pas trop dur avec lui. Il a fait ce qu'il pouvait, avec ce qu'il avait, avec ce que la naissance lui avait donné. Vous quittez maintenant, vous aussi, cette clairière merveilleuse. Les feuilles des arbres s'écartent pour vous laisser passer. Et la personne que vous êtes au moment présent traverse ce passage et emprunte le chemin avec le petit enfant dans son cœur. Le petit enfant avec lequel vous avez repris contact, que vous aviez peut-être oublié. Et l'adulte que vous êtes ne peut pas maintenant souffrir de cet enfant qui est en vous et avec qui vous allez prendre contact tous les jours et dont vous allez prendre grand soin tout le temps. Souvenez-vous que dès que vous aurez un jugement trop dur envers vous, c'est ce petit enfant que vous blessez. Modifiez immédiatement votre pensée et revenez à un sentiment de bienveillance. Vous reprenez le chemin maintenant, beaucoup plus léger qu'à l'arrivée, avec toujours beaucoup d'oiseaux, une brise agréable, des papillons, un soleil qui vous réchauffe. Et vous revenez là maintenant où vous êtes, là où vous êtes en train d'écouter cette méditation et de faire ce chemin vers vous, vers votre enfant. Revenez à ce moment présent. Reprenez contact avec votre respiration. Vous inspirez par vos narines et vous expirez. Et vous savez que vous inspirez et que vous expirez. Et vous en êtes parfaitement conscient. Et vous êtes aussi parfaitement conscient que vous avez dans votre cœur maintenant ce petit enfant à protéger, à élever, à le faire grandir en amour et en bienveillance. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Eh bien, je vous laisse bien évidemment avec ça et je vous dis à jeudi prochain, je vous donne rendez-vous pour notre direct.